Au Sénégal, après le gouvernement, c'est l'opposition qui réagit ce jeudi à l'enquête de la BBC sur l'attribution de marchés pétroliers, un scandale à 10 milliards de dollars pour la chaîne britannique qui implique entre autres la firme British Petroleum, BP, et surtout le frère du président Macky Sall, Aliou Sall. Le pouvoir a rejeté en bloc les éléments de l'enquête, mais l'opposant, Ousmane Sonko, lui a réagi au micro de France 24. Le président Macky Sall dit que c'est une affaire privée. Depuis quand on a vu tout un gouvernement, toute une république monter au créneau sur une affaire privée? Ça pose un problème sérieux. Et donc, partant de cela, nous considérons que nous avons en face de nous un gouvernement qui panique et qui est dans une communication de crise. Ils disent que c'est des opposants qui essaient de manipuler le peuple. Ils disent que c'est des intérêts occultes étrangers qui essaient de déstabiliser le Sénégal. C'est tout à fait faux. Les seuls qui déstabilisent le Sénégal, eux, aujourd'hui, c'est eux-mêmes, avec leur aventurisme d'État, avec la gestion catastrophique des biens des Sénégalais.